tout le monde, c'est Super Brioche, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Soma. Alors, on s'était laissé sur la station Theta, on est à la recherche de code en fait pour emprunter le sous-marin Dunbat qui est là-bas. Et on n'a pas le code, donc on est un petit peu embêté. Pas mal de commentaires de votre part qui peuvent m'aider, apparemment j'ai raté quelques petits trucs la dernière fois. Enfin on y retournera, je pense que de toute façon on est obligé d'y aller parce que j'ai pas tout complété. Mais d'abord on va aller ici, on va découvrir ce qu'il y a. Donc allons-y. Ok. Je reviendrai sur vos commentaires. Oh. Au moment venu. En tout cas un commentaire qui est souvent revenu c'est que vous étiez plutôt tous d'accord sur que vous appréciez ma façon de jouer. Sur le fait que je sois pas très rapide, que je fouille bien, donc c'est parfait, écoutez, j'en suis très content. Vous êtes sûr qu'on va aller là? Attends. Waouh. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ok, chargement. Waouh. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, viens ici d'abord. Hein. Ça a l'air de provenir de la salle là-bas, donc on va venir ici. Mais il n'y a rien du tout. Ok, je sens que je vais être obligé d'aller là-bas. Je le sens pas très bien. Attendez, comment je m'accroupis déjà? Voilà. Je pense que... Oh là-haut. Ah mais il y a quelqu'un ici. Oh non. Oh mon dieu mais... Attendez, il est peut-être vivant mais... Concernant le débranchement de la fille qu'on a eu la dernière fois. Finalement vous étiez plutôt de mon côté aussi. Theta contrôle nanana. Parce que bah, je crois qu'elle avait dit qu'elle s'était suicidée, enfin son... Donc forcément elle avait plus que cette vie là en fait. Parce que d'autres me disaient peut-être que tu devrais les laisser en vie, parce qu'une fois arrivé à l'arc tu pourras peut-être leur redonner vie, enfin voilà. Là. Mais là il y en a plein qui se sont suicidés, donc ils sont en vie uniquement là-bas. Et elle, bah au fond de l'océan, dans son robot coincé, au bout d'un moment elle serait devenue folle, donc bref. J'ai l'impression que lui je ne peux pas le se... Il n'y a pas un fil... C'est assez immonde. Regardez, par exemple, lui, on a quand même envie d'abréger ses souffrances, quand même. Hein. Et apparemment, il n'y a rien. Je vois rien, du moins. Ok, je pense qu'en fait, ces salles-là ne servent à rien. Et qu'on doit aller ici, là où ça criait. Donc, écoutez. On va voir. J'aime pas du tout. Wow. Accroupis-toi. Il y a un truc. J'avance. Ah, mais il y a encore quelqu'un ici, là. Coucou, toi. Ok. Excuse-moi, je peux pas t'aider. Je peux pas te débrancher, je peux pas abréger tes souffrances, je suis désolé, y a rien. On dirait, en plus ça perturbe mon perso, mais je crois avoir vu quelque chose là-bas. Hein. Et on entend clairement un bruit horrible. Oula. Est-ce qu'il faut pas faire de bruit, vous croyez? Oh là là. Où est-ce que je me rends en fait? Je vais longer par la droite. Y a toujours personne. Oh! Je l'entends. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Est-ce que c'est la même bête qu'on avait eue dans les autres zones, là, la bleue? J'ai pas l'impression, parce que j'ai pas vu. Je l'entends, mais je le vois pas. Si, il est là! C'est tellement sombre, on a vu des petits pieds, là. J'espère que vous voyez quelque chose, parce que alors sur YouTube, ça va être sombre. Alors, c'est sympa parce que c'est un petit peu labyrinthe ici, hein. Là-bas, il y a quelque chose.
Oh, c'est quoi ce truc? C'est un grand tout mou. Là, j'ai quelque chose. Ok. Qu'est-ce que c'est? Erreur réseau, connexion à l'outil central impossible, veuillez réinitialiser le routeur. Mais ils arrêtent pas de nous dire ça, comment je le réinitialise? Attendez, parce que... Comment je le réinitialise? Moi je veux bien, mais... Wow. Moi je sais pas. Là. Une prise à rebrancher, je sais pas moi. Je te rebranche la prise, j'appuie sur des boutons. Veuillez patienter. Oh! Ah! Je crois que je devais faire quelque chose en plus là-bas. Bon, le grand tout mou, il m'a entendu là. Il m'a clairement entendu. Ok, va là-bas, va tranquille, pépère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Actionner le commutateur pour confirmer la réinitialisation. On s'en va, je te dérange pas. Je sais pas s'il y a autre chose à faire ici. Ferme la porte. Ferme la porte, pépère. Ok, et du coup je peux faire quelque chose là? J'ai réactivé... Non? En fait je pense... Ok, je pense que j'ai compris. Je crois que cette espèce de truc... Je crois que cette espèce de truc, c'était le proxy. On a entendu parler de ça, le proxy. Faut pas qu'ils nous entendent ou je sais pas quoi comme ça. Et en fait, la machine qu'on a activée, c'est donc le routeur. Good job, Sam. This better have worked. I'm not going down there again. Oh là, il y a encore des bêtes là. Mais attendez, mais c'était ouvert ça avant là? Oh my god. On se casse. Oh, on se casse d'ici. Donc on va retourner là-bas. Donc j'ai activé quelque chose. Donc le routeur. Sauf que tous les ordis là-bas nous disaient erreur, le routeur, machin, réactiver le routeur. Donc je pense que maintenant j'ai accès. J'ai accès à la plupart des trucs. C'était un peu stressant là. Du coup. We should really look for a scan. Check the storage. Ok, les ordinateurs fonctionnent. Et du coup, donc dans les commentaires, vous m'avez dit, enfin, deux ou trois personnes m'ont dit, je crois avoir vu un scan intact. Donc on va revoir ici. Et ça, enfin, je dis scan intact, mais. Mais c'est peut-être pas ça. Enfin bon, en même temps, Catherine nous dit de checker, donc il doit y en avoir un qui fonctionne. Il veut même pas les prendre, quoi. Mais tout ça, c'est moche, là. Tout ça, c'est moche. Je crois qu'on peut appuyer. Voilà. Mais ça sert à que dalle. Ah! Ah! Oh. Mais j'en fais quoi, moi, hein? J'en fais quoi? Je le mets dans l'ordinateur. Où est le lecteur de disquette? Journal de scan. 4 juillet, 5 juillet. Le projet Arc est en suspens car Stromer enquête sur la mort de Sarang. Et après, tout le monde y va. Suicide. Stromer m'est tombé dessus. Une mort en plus et le projet s'arrête. Le projet Arc suspendu jusqu'à nouvel ordre. Conrad. Ah oui. Scan programmé. Ça, c'est des gens qui devaient y aller et qui n'ont pas le fait. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais?
À moins que ce soit pas cet ordi-là. Projecteur de scan actif. Insérer une puce contenant les données du scan. Ok. Emplacement 2. Comment ça, emplacement 2? Ça en est un, ça aussi? Mais oui! C'est vrai qu'on en avait récupéré une, là. Un peu planquée. Emplacement 1. Emplacement 2, puce. Ok, bon, on charge les deux trucs. Ok, très bien. Quelqu'un qui connaît le code. Bah, je sais pas, moi. Robin Bass. Je me souviens plus si c'est pas celle qu'on a tuée. Tu as les codes, Robin? Encore un suicide à cause de la continuité, ouais. Il me semblait bien qu'elle s'était suicidée. Non, réfléchissons un petit peu. C'est pas elle. Le sécurité, voilà. Qui est-ce qui était à la sécurité? Starsky. Strasky. Mais bon, pas Starsky et Hutch, ça n'a rien à voir. Starsky et... Strasky, bon, j'arrive pas à le dire. Elle était enjoué et amusant comme toujours. Il est bien, lui. En fait, je sais pas. Je pensais qu'il y avait leur rôle noté, mais... Ah. Stromer. Bah oui, mais Stromer, il est pas là. Et il n'y a pas l'autre non plus. Elle a dit Kronster... Oh, je sais plus. Attendez, on peut pas avoir des notes sur les gens. Bon, on va les faire tous si on trouve pas, de toute façon, mais... Ah, neurographe, non, mais non, c'est pas... On va tester, hein. On va tester, il doit sûrement avoir... Il doit sûrement y avoir un moyen de savoir directement. On en est où, là? Sarang. Mais lui, c'est pas possible. Enfin, je pense pas. Ok, try actually reading the info and then pick one. M'énerve, elle. Brandon. À moins qu'on ne puisse pas tant qu'on n'a pas trouvé. Very promising. I'll just load him up and get the simulator going. Donc lui, ça marche. Ah. We're gonna have a talk with Mr. Wan. Use the computer to activate the simulation. On va lui parler. Plage, aucun. Charlet de ski. Exécuté. That wasn't so bad. Stromer really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? Take it easy, Mr. Wan. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. There's no need to worry. No, that's a lie. You're lying. Mr. Wan, I need you to stay calm. No. Why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! Did we just bring that guy to life? I mean, he's a perfect scan, meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Took it all away again. I really thought that was gonna work. Maybe we can try again. What? S'il est à la plage, en fait, ça ira mieux. C'est trop bizarre, on le débranche de son truc. That wasn't so bad. Stromer really got me worked up, bastard. What? How did I get here? Welcome back, Mr. Wan. Dr. Chun, is that you? C'est trop bizarre. What happened? What is this place? Listen, I really need your help. I need the new security cipher. Dr. Chun? I hear your voice, but there's no one here. There's no one here! It's empty. It's too empty. There's something really wrong with this place. It's not real. This isn't real. I have to get out of here! Do we need to turn it off?
Can we just keep him alive until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep the session short and the suffering to a minimum. Je comprends pas trop comment ça marche parce qu'il nous répète les mêmes phrases au début. On le réactive ou on réactive une... Bon, peut-être que le chalet de ski te plaira mieux. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? What is this? Where am I? Relax, Mr. Wan. Just keep calm. Dr. Chun? What the hell is this place? I need a favor. I need to know what the new security cipher is. Why are you doing this? Is this some trick? I'm not giving you anything. It's not for me. I'm trying to save the Ark. No, you're lying. This is all a lie. Look at this place. It's a fucking joke. Get me out of here, Chun, or I'll punch your teeth in. J'ai compris. I think we need to build the scene so it's more what he'd expect. As soon as he starts to doubt, we've lost him. You're right. We need to think this through. We need some more data. Ok, j'ai compris. En gros, là, ce qu'on a récupéré dans les machines, c'est le scan. C'est son scan, donc quand il est allé se faire scanner, voilà. Et après, on la met dans la machine. Et du coup, pour lui, il se réveille. Comme nous, au début du jeu. Sauf que là, il se réveille sur une plage, dans un chalet de ski, ou au milieu de nulle part. Alors qu'il aurait dû se réveiller dans la salle d'examen, en fait. Ou sur l'arc. Donc c'est normal qu'ils s'énervent et qu'ils comprennent rien. Je pense que c'est ça. Et du coup, on a besoin d'un truc en plus. Sauf que là, il y a son scan et on a cette puce. Tu prends ça. Et je pense qu'on est censé trouver... Peut-être là-bas. Genre tu la mets je sais pas où, ta puce là. Ah non, il y avait un autre ordi. Celui-là. Regardez, celui-là maintenant il fonctionne. Environnement, réservoir flottant, salle de scan. Et je pense que salle de scan, copie vers aucun. Attends, faut que je mette la carte je sais pas où là. Là. La salle de scan du coup c'est logique. Donc il devrait pas s'énerver. Salle de scan, copier vers la puce. Voilà. Tu récupères. Je pense que ça fonctionnera là. Je pense. Voilà, tu charges. Ah, je pensais que... Ok, je pensais que ça s'affichait là. Je pensais que module, c'était le petit truc en plus. Salle de scan. Je pense que là, il y a plus de logique en fait qui se réveille ici. Congratulations, Mr. Wan. The scan was successful. Chun? Where's Alice? She left. Mr. Wan, I need you to give me the new security cipher. What? Why? Why would you need that? This is the trick. Please calm down. I knew you couldn't be trusted. None of this is real. But you won't break me, Wow. You hear me? You won't break me! Ok, il croit que c'est l'intelligence artificielle. How many times are we gonna have to do this? Come on, Simon. Don't give up now. Du coup, à chaque fois, bah, on réactive un nouveau, en fait. Un nouveau scan de Brandon. Et qui, à chaque fois, souffre, du coup. C'est un peu merdé. Est-ce qu'on peut aller chercher autre chose dans cet ordi? Je pense quand même... Attendez, qu'est-ce qu'on a? On a les scans des gens. Reed, Imogen Reed. Auteur Catherine. On peut rien faire avec en fait. Plage. Transfert réseau, c'est quoi? Fichier restreint. Je comprends pas trop ce que c'est que ça. Là, on a les anciens. Bon, à moins que ce soit un autre truc, mais honnêtement, Versailles, je suis pas sûr que ça l'aide. Hein. Je suis pas sûr que ça t'aide. Est-ce que je peux pas le mettre là-bas? Je suis peut-être parti un peu vite.
Aucune donnée. Eh oui. C'est pas ça. Hein. Moi, je pense qu'en fait, il faudrait qu'on trouve... Putain, je sais pas, en fait. J'en sais rien. Je ne sais pas. Attends, peut-être qu'elle peut nous aider. Catherine, tu peux pas nous dire d'autres infos, là? Environnement aucun. Donc ça, c'est bien sur la puce, là. Réessayons voir si j'ai la même chose. Peut-être que Catherine peut nous aider, parce que alors là... Mr. Wan, can you hear me? Chun? Where's Alice? She's fine. We don't have much time, Mr. Wan. I need the new security cipher. Peut-être que c'est Alice qu'il nous faut. Why would you need that? This is a trick. Please, this is important. I knew you couldn't be trusted. None of this is real. But you won't break me, Wow. You hear me? You won't break me! Je pense que c'est Alice qu'il nous faut. This setup won't work. We need something else. Il nous faut autre chose. Est-ce qu'on peut pas choper un scan de Alice? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre là-dedans? À mon avis, cette Alice était là à son scan. Et du coup, bon, la salle de scan, ça lui va. Mais le fait qu'il n'y ait plus Alice et qu'il y ait Catherine, alors que... Non, je pense pas qu'elle soit morte à ce moment-là. Peut-être sur les dates, ça correspond. Je sais pas. Journal de scan. Alice, c'est le 24 août. Et Brandon machin chose, là, il est où? Je le vois pas, vous le voyez, vous? Ah, il est là, Brandon, c'est le 25, Alice, c'est juste avant. Ouais, mais je sais pas, donc c'est peut-être... Donc en même temps, Catherine, c'est la première, c'est vrai. Enfin, la première, hormis nous, je dirais. Mais, elle est pas morte, elle s'est pas suicidée, enfin, elle est... Elle a plutôt été tuée, en fait, j'ai l'impression. Enfin, je me souviens plus à force, mais bon. Du coup, je suis un peu emmerdé, là. Est-ce que je peux choper d'autres infos quelque part? Ah, mais si! C'est sûr, regardez. On paraît qu'elle était dans le couloir, là-bas. Faut peut-être que je récupère la puce, quand même. On va prendre la puce au cas où. Je parie qu'on peut choper la chambre d'Alice... Et qu'on trouvera un ordi dans lequel mettre je sais pas quoi. Ça doit être ça. Alors n'ayez pas peur de la lumière qui saute. On sait jamais. Ok. Guy. Nadine. Maggie. Ah! Ah bah d'accord. Alors chez Brandon. D'accord, peut-être que je fais des suppositions débiles parce qu'apparemment... Bon, déjà il y a ça. Apparemment c'est dans sa chambre. Some lady telling Brandon to hurry up. You got that through the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. That's quoi? Alice Coster. Wouldn't have guessed they even knew of each other. Interesting. Ah. Ok, ça m'intéresse pas. Ou alors c'était vraiment Alice. C'est peut-être Alice en fait, c'est peut-être sa copine. Ouh. Ok. Un journal. Hackers, quoi? Oh, we can definitely use that. Mais oui, bon, j'ai compris. I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We can trick him into feeling safe enough to open up. Great. Definitely feeling good about this. Good job on the intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. Ok, vous pouvez me laisser lire, c'est bon. Hackers a enfin accepté l'évacuation de Delta. Goya et Krier et moi sommes arrivés à Theta aujourd'hui. Hackers,
a préféré rester à Delta. Il est complètement fou. Je suis fier de mon travail, mais le site n'est plus que l'ombre de lui-même depuis que la surface a cessé de nous ravitailler. Le 25 août, c'est son scan. Je fais mon scan. Ouh, j'ai suivi les dates. Avec Alice. Stromer m'avait dit que les maux de tête me tueraient. Quel enfoiré. Au début, ça allait, mais une épouvantable migraine est apparue quelques heures plus tard. Le pire, ça a été cette fille. Chun. Hein. Elle me met tellement mal à l'aise qu'elle me donne la chair de poule. Tu m'étonnes qu'il ait eu du mal avec nous pendant le scan, là. Stromer a perdu les pédales. Il a ordonné l'arrêt de tous les scans destinés au projet ARC. Apparemment, Conrad s'est laissé séduire par l'idée de continuité et s'est suicidé sur le siège de pilotage juste après le scan. Avec son truc cyanure, je crois. Son chewing-gum, là. J'ai comme l'impression que les codes de sécurité vont changer. Je viens d'apprendre que l'équipe d'inspection Komorebi va aller chercher Hackers à Delta. Ça fait des mois qu'il est tout seul là-bas. Je me demande ce qu'il faisait de ses journées. C'est pas lui qui s'est arraché les yeux. Enfin, je confonds un peu les noms des persos. Ok, il y a une tasse, putain. Toi, je te laisse là. Ok, je me demande quand même si on peut pas quand même, n'est-ce pas? Wow, doucement. Trouver la chambre d'Alice, non? Ah bah non, y a pas. Ok. Bah apparemment ça a suffi. Ça a dû suffire. Y a des bruits bizarres, mais bon, ça va. C'est plus rassurant qu'au début de l'épisode là. Ça va. Alors. Compiled analysis module that we can use. So she'll be with Brandon in the simulation. Sort of. I'll still need to do the talking, but it'll sound and look like Alice. Oh là. Cette porte était fermée comme au début de la zone là. Ok. Voilà, donc elle a chargé Alice, très bien. Ah oui, mais j'ai plus la puce, pardon. Ok, je sens venir le screamer dans mon dos parce que la porte s'est ouverte. Hein. Je suis persuadé qu'elle était ouverte, il y a du sang, il y a tout ce que vous voulez. Salle de scan, Alice, vas-y. On n'aura pas peur si quelque chose nous saute dessus derrière nous. Is that what we are? Simulations? Yeah, but it shouldn't make any difference. You're still you. I'm not sure what to do with the data. You decide. Oh là. Je veux bien faire ce que tu veux avec les données, mais je vais vérifier un truc. Est-ce que il est mort, lui? Non, il est pas mort. Donc dans l'hypothèse qu'on puisse réveiller tout le monde et leur rendre je sais pas quoi, on va juste l'arrêter mais pas effacer les données. Ça suffira, non? Ok. Méfions-nous qu'il n'y ait pas un truc qui nous saute à la gorge parce que vraiment, il se passe des choses bizarres là. Simon, we got it. We can get to the Dunbat now. Get back here. Ouais, revenez vite. T'as raison. Oh là, ça charge. Il y a quelque chose qui est rentré. Ça va, vous? Là, c'est pareil, hein.
Ça s'est ouvert en bas, c'était pas ouvert comme ça là. Ok. Donc maintenant je vais mettre le code, j'espère que vous l'avez retenu. J'espère que j'ai pas besoin de le retenir parce que non. Ok. Ok, ouais. Just warming up the Dunback for us. It's been collecting dust for months, so it might need a minute. Wow. Okay, that's it. That's everything. Let's go ahead and... Huh. That's weird. Quoi? Never mind. What do you need me to do? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the Dunback. Then plug me in, and I'll take us into the Abyss. Sounds okay. Easy enough. Ok, on va aller aux abysses, y'a pas de soucis. Là, on avait déjà regardé, hein. Y'avait rien de nouveau par rapport au. Putain, on va vraiment visiter les trucs là, j'espère pas. De toute façon, on les a déjà visités, mais c'est beaucoup trop grand là. Non, ce que je veux, arrête de faire n'importe quoi. On avait déjà regardé tout ça, ok. Récupère son Omnitool. On va aller là-bas sereinement avec cette chaise. Très sereinement, sans paniquer, sans geste brusque. Sans geste brusque, hein, ok. Tu ne paniques pas. Oh, puis en plus, regardez, j'avais pas vu, mais là-bas, c'est devenu rouge. On peut plus y aller. Il va nous sauter dessus. Il y a des trucs dégueux. Donc, ok, maintenant... On peut pas fermer derrière nous. Mais il est où en fait ton sous-marin là? C'est ça? Cette petite merdouille là? Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Ok, je peux monter là-dessus. Oh là, oh là, oh là, oh là là! Ah! Ouh! Pas la mauvaise idée. Ok, pousse bien le machin. Voilà. Je sens qu'on va en avoir besoin. Alors, moi là, tu tombes pas. Hein. Ok. Du coup, qu'est-ce que je fais dans cet endroit magnifique là? Ça. Comment j'y vais en fait? Je comprends pas. Y'a ça là. C'est quoi cette merde? Alors il y a plein de boutons mais il y a rien qui marche. On est mal barré, moi je vous le dis. C'est quoi ce machin? What the fuck? C'est peut-être pas une bonne idée de faire du bruit. Ah, c'est bon, j'ai compris. Regardez. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Et là. Magnifique. Magnifique. Tu mets tout en route. Oh, ça ferme. C'est bien ça. Coucou. Test, ok. C'est vraiment le sous-marin ça, ça me paraît bien petit. Tous les systèmes sont ok. Je fais pas dans l'ordre parce que... Je sais jamais. Prêt pour libération. Non, 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 non. Quoi? What the fuck? J'ai merdé un truc, j'ai merdé un truc. Putain, il y avait encore quelqu'un là-dedans. Oh bah j'ai tout cassé là. C'est la musique qu'on entend ou c'est un bruit bizarre ça?
Mais j'ai cassé mon sous-marin là, je comprends pas. C'est trop sombre pour moi, je vais monter là-haut sans paniquer. Sans paniquer. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cet endroit maléfique encore là? Oh là là, oh là là, oh là là. Attendez. C'est moi que j'entends, il n'y a rien d'autre. Ok, le jeu charge, le jeu charge. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ok, vous savez quoi? On va s'arrêter ici. On va s'arrêter dans ce petit endroit exigu qui me semble fort sécurisé, sécurisant et sans danger. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Il est un petit peu stressant quand même. On n'a finalement pas beaucoup bougé de zone, mais... Mais j'ai l'impression que... Je suis pas en sécurité. Bref, je sais pas trop ce qui s'en est arrivé de mon sous-marin, là. Il était vivant et il est tombé. Bref, je sais pas trop si c'était ça. On se retrouve la prochaine fois, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce vert, tout ce que vous voulez. Et puis voilà, à la prochaine, portez-vous bien.